avec une peinture pareille, je pense que je nettoierai mon aérographe avec ça. C'est parti. Je secoue. Il faut entendre la bille qui clinque. Ok. Hop, on ouvre. On va voir ce que ça donne. Ouf. Ah oui, là, ça dégomme au niveau de l'eau. Alors, je vais prendre avec une pipette pour ne pas risquer d'en gaspiller. Parce que quand c'est très liquide comme ça et qu'on fait avec un cure-dent, j'ai parfois des problèmes. Et j'ai pas envie de gaspiller cette peinture. Ouais, ok, je vais pas tout mettre, mais bon. Voilà, hop. Ok, je pense que ça devrait aller avec ça. Je vais mettre ça là, voilà. Ok, donc déjà, je peux dire que la peinture, elle démonte au niveau de l'odeur. Mais bon, moi j'aime bien ce genre d'odeur, mais il ne faut pas respirer. Hein, c'est pas bon pour la santé. Mais... Voilà, il faut bien fermer. Et c'est parti. Je vais accrocher le bazar à mon aérographe. Voilà. Je vais d'abord envoyer de l'air sur les cuillères pour enlever la poussière et puis je teste. Mais je vais mettre mon masque là. Et voilà. C'est parti. Première cuillère. Let's go. Vous voyez la gueule de la peinture? Non, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Ok, on dégage toutes les petites pierres qui sont ici. Hop là. Ok, c'est parti. Ah oui, ça a l'air d'être pailleté, c'est superbe. C'est beau. Beautiful. On va charger pour voir ce que ça va faire. Oh là là, c'est dingue. C'est impressionnant. C'est vraiment déjà très brillant. Incroyable. On peut charger, ça ne pose pas de problème. Alors c'est mieux les fines couches, mais je veux dire, c'est pour le test. C'est pas comme avec les acryliques à l'eau. Là, on a vraiment du costaud, les gars. Franchement, c'est de la bonne peinture. C'est magnifique. On va essayer un truc. Là, le plastique n'a pas été apprêté. Et en plus, il est lisse. On va voir si elle tient là-dessus la peinture.
c'est dingue. Donc là, j'ai chargé direct, sans aucune préparation de surface. Et on peut constater que ça a l'air de tenir le coup. Ça s'approche direct. Mais bon, c'est de la laque. Donc là, on est sur du blanc. Et puis de l'autre côté, on a le primaire noir. C'est magnifique.